le engengi simili ezayo engengi simonte mande oyo de pole ya popa momeni ya lodiko oyo de pole ya popa momeni ya lodiko nanya me mama ina elamba kaka yoli patana tempo yo sopa maya ngona made to sana na domoko oyo aki dans la maison de Pontifar, mais il y a beaucoup de choses à expliquer tout autour il y a pensé à Joseph mais na yenge to simba nga malamu. Parce que mon tomosori n'a retourné en question, mais si Joseph se révèle à ses frères, mais il y a qui Joseph a se révélé pas, il va déconner. Mais pourquoi aujourd'hui cela peut faire l'objet d'une prédication? Mais bon, il y a Simba, l'apôtre Paul Azoloba, et puis tu rappelles à Ramos le plus souvent, dans les livres de Romains chapitre 15, que ces choses et comment qui pour notre instruction. Donc, afin que par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédons l'espérance. Donc, Yosimba Malamouete, dans mon colo à l'obile du Somakamboyo, c'est qu'il y a une pensée. Il y a sa pensée cachée où il y a des bisous, Toyoka, afin que Tojoane la vie. Parce que nous avons un metteur en scène. Nous savons bien que dans la réalisation, Moutori n'a pas comment. Amen, Église. Je pense que toi, tu as bien. Moutori n'a pas commis scène n'a pas papier. Mais pour être à côté sango en action, à cause de banane. Bacteur. Bacteur, tout un personnage. À cause de un tel. C'est la même chose aussi avec Dieu. Zambé Souka Linga, le bela sur sa part. A linga, le bela latina n'a yé. A zoa capé par personnage. Le lingé a utilisé qui? Les prophètes. Comme David, le Lengepe a utilisé que Joseph au Togotalisa. Vous remarquerez même David, Yokama bien, même David Azoloubaboué, lorsqu'il prophétisait pour dire que Zamba utilisera un des personnages, lorsqu'il prophétisait, il dit ceci Yoko permettre que nous autres nanga oyo, et pour là. Shalom, Église. Amen. Mais, au moment que, lorsque na mukanda ya Acte chapitre 2, l'esprit est quitté. L'apôtre Paul, pardon, l'apôtre Pierre, a côté. Alors, il dit, Boyo Kamaloba Oyo, notre père David, à l'obaki, qui vous permettre de tenzo tonanga, et mon ami, la corruption. Mais, lui, mais David, il est mort. Son corps est enseveli, et ça a wana katina biso. Mais, alors, comme il était prophète, il parlait de qui? De Jésus-Christ. Je pense que Némé, toi, la consigne va bien. Amen. Némé, la ligne d'abord, on a présenté que nous sommes tous de côté à Awa, tous de côté à Awa, les Aralikanis, à Motote, donc les Aralikanis, tous de côté à Yesu. Amen, Elisa. Amen. Donc, David a l'objet de, au compagnon, il était là pour l'ami David à Koufa. David était à Manaï, il a commis le Bélaté. Il parlait de Jésus-Christ. De la même manière aussi, avec Joseph. Tant que Joseph a se révélé aussi à ses frères, il y a une pensée de Dieu qui est cachée. Où est bon Dieu depuis Sotosima? Et ça, où est Totalisa qui, na mon colo, parce que enseigné na séance, je pense que Babylon pour ébeler, et ça, pratiquement impossible. Donc, si le Seigneur est apaisé, occasion, on peut même avoir d'autres séances pour que tous les cas, Totalisa, cette pensée. Malami. Mais, to lingi a ko zonga moua moukiye, et puis to le ka ko continue ce qui te rosana tango, ya ko lobe la sur cette pensée. Parce que dans zonga na, que na rosana difficulté, ce qui na lobe, na continue place au to soukaki. Parce que bande komo soukoupe, ba zara kite. Parce que to la na bisope aussi précédé. Mais to ko lukape li soukou pa ki sa une pensée aussi de la part de Dieu, ou ya komisina moukolo ya lelo. Et puis, Nassima,
tokoleka aussi à Kobonela. Bako sunga biso na lecture mais pas bien aimé Ricky. Toji mokanda ya Genèse. Genèse 42, l'écriture est là sur l'écran. Genèse au chapitre 42. Le verset premier. Pour utiliser le micro, pour que Bandekoba yokayo ma madame, s'il vous plaît. Genèse 42, Genèse au chapitre 42, le verset premier. Pour autant, nous sauter pour gagner temps, pour juste par portion, il y a ma écriture et puis tout à peine penser nos soucis. Première lecture. Jacob, voyant qu'il y avait du bleu en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il dit, voici, j'apprends qu'il y a du bleu en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. 10 frères de Jacob descendirent en Égypte pour acheter du blé. Ok, donc ici, Jacob a tout dit, il a combien de frères? Je pose la question à l'assemblée. Combien de ses fils? 10 fils. Jacob avait combien de fils? Donc, pour dire que tant qu'on a tout dit, 10 fils, Joseph a été en Égypte, non? Mais a tout dit, moi, à mon côté. Est-ce que toi, n'as pas bien? Donc, a tout dit, 10 fils. Amen, Église. Amen. Pour continuer dans la lecture. 10 frères de Jacob descendirent en Égypte pour acheter. 10 frères de Joseph. Pardon. De Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin. Ok. Je pense que au Simi Malamou, Jacob, tant qu'il a tenu les 10 fils, a tenu Benjamin. Je pense que toujours comprendre bien la lecture. Parce que ceux qui comprennent la lecture, même l'explication peut aussi m'amoter. Mais ceux qui comprennent la lecture, l'explication aussi m'amoter bien. Tout le monde a toujours précédé. Toujours qu'il est malaime. Donc continue les sous-sous. Frère de Joseph, okay. Dans la crainte qu'il ne lui arrivât quelque malheur, le fils d'Israël vint pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi. Car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays, celui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Le frère de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Les reconnut et il feignit d'être un étranger pour eux. Ok, continuez lecture. Il leur parla durement. Dis-moi bien. C'est-à-dire Joseph a mis ça le rôle à l'étranger comme un inconnu. Et puis il leur parla durement. Et leur dit, d'où venez-vous? Ils répondirent, du pays du Canaan pour acheter des vivres. Joseph reconnut ce frère, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint ces choses qu'il avait eues à leur sujet. Pour en regagner temps, voir directement le verset 20. Et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Parce que Joseph, Abanagi a colobé la bambou durement, à l'objet de Boza, va étranger. On va l'objeter Boza, va étranger. Ozali bana ya motomako. Trapo tunde kuna biso Benjamin. Atikalina papa na biso. C'est alors que Joseph maintenant a l'oroba. Pour que namo na bino ke makambo bino bolobi. Ezaya solo bo elanga Benjamin. Je pense que ton a aussi pas bien. Et puis il dit encore l'écriture. Ils se dirent alors l'un à l'autre. Non, et amenez-moi votre jeune frère afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mourrez point. C'est mango bien. Et ils firent ainsi. Sautez, soit le verset 24. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon et les fit enchaîner sous leurs yeux. Ok. Tout sauter, tout suivre,
le chapitre 43. Tout ça, là, il faut y avoir autant de quelques écritures pour que tout ça, la sous-souba, lecture militaire pendant pour expliquer. Au chapitre 43, le verset 1er, est dans le verset 3. Pour se porter pendant la lecture. La famille s'apesantit sur le pays. Quand ils eurent fini de manger les blés qu'ils avaient apportés d'Égypte, Jacob dit à ses fils, « Retournez, achetez-nous un peu de vivres. » Judas lui répondit, « Cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. » Tout de suite directement, chapitre 45, le verset 1er. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Fais sortir tout le monde. » Et il ne resta personne avec Joseph. Parce que tant que Joseph a se révélé, il y a eu un soubaz dans l'Alibanda. Amen. Amen, Église. Amen. Joseph, tant qu'il a se révélé, il y a eu un et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. C'est là où nous avons posé notre sujet. Parce que nous sommes trouvés avec des sujets, nous sommes tchaka, et bon, ils allaient puiser dans la parole. Parce que nous voyons aujourd'hui, notre sujet, comme on a monté des sujets, mais en conformité avec la parole. Shalom, Église. Shalom. Tout ce qui ça, na le bien-aimé qui est au Kouria Kofanda, nous avons bien à Pambolayo, nous avons pensé directement, peut-être que ça, sous à peine à nous avons pensé directement à Deutéronome chapitre 18, nous avons vu verset Macron. Le verset 15 à 16. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, en Horeb, les jours de l'Assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ses grands faits, afin de ne pas mourir. Ok. La sagesse et l'intelligence dans ma communauté. Amen. Maintenant, nous voulons expliquer. Lorsque l'écriture n'est pas totale, ça qui même. Mikoloti Yapoleka. Lorsque l'écriture était Joseph se révèle à ses frères, il faudrait savoir qu'il y a eu d'abord un temps où Joseph était caché. Vous voyez? Parce que l'écriture comme il s'était à se révéler. Donc on a compris cet exemple, on a bien aimé Ricky Babino à se révéler et pas inaïe. Pour dire qu'il y avait eu un temps où Joseph a été caché. Donc, pendant toute cette période-là, ses frères, vous voyez? Et par là, vous devez directement comprendre qu'il y a eu combien de temps? Il y a eu des temps. Donc, le premier temps, Joseph se cache ou prive sa face et pas à Bandekonaïe. Et le deuxième temps, Joseph a zané à se révéler. Et puis, total, ça qui boye, que ces deux temps sont marqués par deux voyages des fils de Jacob en Égypte pour acheter le blé. C'est ainsi d'ailleurs que nous disons, avant pour expliquer comment Joseph a se révélé qu'il n'y a pas de Yabanekonaïe, et pour d'abord être tout expliqué par voyage au Mibale. Parce que vous remarquez que voyage à Liboso, Joseph a été caché, mais Joseph a été se révélé dans le voyage à Mibali. Ce n'est pas en vain, parce que on ne lit pas la Bible comme un journal. On dit que la Bible qui voyage à Liboso, il y a une explication. On dit qui voyage à Mibali. Vous allez remarquer ceci. Dans l'écriture de Genèse chapitre 42, le bien-aimé Jacob, Azotinda ses dix fils pour la toute première fois en Égypte pour acheter les blés. Parce que pendant ce temps-là, il y avait la famine dans tous les pays. Mais en Égypte, là où Joseph Azaraki,
il y avait des pays. Voilà pourquoi nous avons fait la brèche, il y a beau exhorté boyer. Zalegos à la partout. Mikakatenegos à la partout. Mais là où je vais de Joseph à Zali, libre pour qu'il n'a pas engagé. Amen. Shalom, Église. Shalom. Il y a un moment dans un bakouki, il y a quoi? Mais il y a quoi résonné, le même matin qui est lié sur lui, à l'obaki. Alors, il n'est que à ça, à la tête, mais à l'yaka. Donc, il n'y a pas eu Joseph à ça. Il y a calme. Parce qu'il va être libre. Parce que nous croyons aussi que Joseph est ici. Amen. Voilà pourquoi il y a le pain en abondance. Amen. Amen, Église. Amen. Donc, parce que Joseph était là, il y a un mot au Romain qui est Lipa et Zalaki. Donc, ce qui est soit Zali, Lipeza. Voilà pourquoi j'aime cette pensée. Non, 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 moi, bref. J'aime cette pensée parce que tout ce qui est pris, tout ça aussi, il y a pour exhorter. J'aime cette pensée. Quand on a dit, comment est-ce que Dieu s'est obligé à voler sa bango? T'as l'impossibilité de prendre un bébé à la cater. Amen. N'a moins poisson, n'a poignée, y a été, n'a lipa. On y met, remarqué qu'avant que le peuple Elia, j'avais cette pensée. Golo a dopé sa mobeko, toi a dit sa baille, que la vie était, bocha bango n'a pas rangé à 50. Amen, Église. Amen. Et bon, on a lipa. Et bon, Dieu, tous en est là. Amen. Ceux qui ont dans mon côté, on roule les pâtés. Rangé à donc 5000 personnes, mais n'a rangé à 50. Parce que nous savons bien que les chiffres 50 et le rabbi sont aussi les chiffres y a jubilé. Amen. Donc pour manger le pain, et bon Dieu aux amoutons on colle à sa ligne à Sicolio. Amen. Pour que son colo à Sicolio tu roule les pâtés. Amen. Tout ceci m'a bien pensé. Amen. Zambe sera mon Dieu tous dans mon longo. Yo peko sekete de ah mais ngai na zap ou bien 43e libre au comme la yo. Amen. O goli aka kalipa. Amen. O tinga na za le chef ne de et pas ensemble a mon ngani na mulongo. Amen. Ko bima na mulongo te bien aimé. Amen. Yo ngaba de musomo na boye ko la chain na mulongo te ma za pressé a bimi na mulongo. Pe a la te libre. Parce que Simba aussi libre to na ko Simba mo na deux manières. Comme étant la parole, ouais. Comme étant aussi les choses physiques. Amen. Parce que nous avons pu aussi, à part mon avis, que aussi nous menons le groupe et la physique. Amen. Est-ce que toi, là aussi, va bien? Amen. Donc, parce que Joseph était là, voilà pourquoi il y avait les pains. Mais remarquez ceci. Bakiti, en Égypte, pour n'en pas les bosses, pour n'en pas les bosses, pas, Bakoutan est là, Joseph. Parce que Joseph était gouverneur. C'était lui qui chapeautait Nathan dans tous les pays de l'Égypte. Et puis, il y a un des cas qui a été mis en côté. Mais tant qu'on va couper Joseph, mais les critiques déclarent que bah, Joseph était leur propre frère. Comment est-ce que 10 personnes, bah, les gars, ils ont mis en côté. Voilà. Ceux qui ont mis en côté. Makilo est bien au Nigana. Ça va te rouler, moutou, dans le monde local, la Zande, mon angaï. Mais comment est-ce que Bango Babanagi Yako et Baïti? Avec lui. Joseph, Bataliboué, Bazoba Joseph. De son côté aussi Joseph, il te dit que Akanye Longi, à ça il semble. Donc, l'écriture dit que Ami Sali vit sa vie comme un étranger. Le roi, la moutou, mon quoi, Tira Yako et Babamote, habite à la Bino. Osa ma espion, bino boya ande pour nakoué explorer les pays, pour voir les liens faibles du pays. La bitte, monseigneur biso, osa ma espionté, osa libana y a papa manko. Ce qui t'ouille, t'ouende pour nakoso mali. Qui dit le critique Joseph? L'air par là? Durement. Durement, si ma mo bien. Quand on le critique, on teste durement. Donc pour dire qu'il y a le bel qui va mon macasse. Bango aussi à trembler.
Donc, si Mba Ketam ou Joseph, ba monie, il s'est caché, tout est bango ba yeba qui était, et puis Joseph, a l'obéi la maman durement. Donc, na voyage à Liboso, Joseph était caché. Et puis, ba nekona yeba yeba qui était. Mais lors de leur second voyage en Égypte, c'est alors que Joseph a eu à se révéler. Albert, c'est moi votre frère, Joseph, que vous avez vendu. Ma kambo nana ou nana zoloba, et dans la moue éventée. Les bien-aimés tiennent aussi à ça aussi à ko, te abiswango. Ce qui tout bas, qui a ko balancé du saut à des apôtres. Chapitre 7, je crois bien, le verset 13. Dans cette année, autant on a mis une version semaine, parce que tout le monde a expliqué sur ces deux voyages. Le premier voyage, Joseph a été caché, et puis à l'objet de la mort durement. Mais le deuxième voyage, Joseph a été se révéler. Donc, Simba, que ces deux voyages sont prophétiques, c'est ce que nous voulons expliquer. Actes des apôtres, chapitre. Est-ce que l'écriture est là déjà, maintenant? Actes des apôtres, chapitre 7, le verset 12 à 13. Bas-joie, verset 12. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il envoya nos pères une première fois. Je pense que tout ce que madame parce que l'écriture est là. Le verset 13. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères. Je pense que tout ça n'a pas aussi bien. Donc la première fois, Joseph était caché, mais la seconde fois, Joseph l'est allé à se révéler. Mais mon tourna, tout n'a pas tout n'a pas eu. Pourquoi Joseph a se révélé à qui n'était pas dans le conaïe? Pour la première fois, mais Joseph a eu à se révéler pour la seconde fois. Simba, que c'est parce qu'il fallait l'avènement d'un homme. Parce que ce qui moutouana a eu, il y a eu à révéler la face de Joseph. Amen. Or, cet homme, c'était qui? Benjamin. Cet homme était Benjamin. Voilà pourquoi, lors il y a voyage, il y a Liboso, Joseph a se révélé à quitter. Alors, il y a aussi durement, parce que Benjamin n'était pas là. Mais lors il y a second voyage, marqué par l'avènement de Benjamin, c'est alors que Joseph qui parla durement, alors il y a une voix douce, et puis Aïa s'est révélé et pas là. Voilà pourquoi, même l'écriture que nous avons lue, Joseph a dit, si votre frère Benjamin a eu la binoté. Est-ce que Joseph parlait de la face physique? Non, 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 non. Parce que Joseph voulait dire, na manière nous que boko yé ba tengai la zanani. Ce qui Benjamin ne a été. Or, voir la face, d'après Nombre chapitre 6, c'est de trouver la paix et la grâce. Amen. Mais ce qui face est caché, il va gagner au rose dans la tokobiga, jamais n'a mouru. Est-ce que toi n'as pas aussi bien? Amen. Donc, comme Joseph, pour un second voyage, qu'est-ce que c'est quoi? C'est alors que Joseph a été se révélé, il y a commis Talissa. Mais tout le monde, il y a Kolobaboy. Joseph, pardon, Benjamin, à part la mission où il y a révélé Bande Konaye et Longi, il y a Joseph, il avait aussi une, quoi d'autre mission? Je pense que tu as dit ça qui est mon nom. Bah, mission, il y a Joseph Moussousou et Dakini. Au moment où on a l'écriture que nous avons lu, bah, dans la côte, il s'agit de Siméon était où? Retenu en prison. Donc, Joseph a joué à Siméon, a joué retenu dans le boulot. A joué à Siméon, a libéré Siméon, Kakasoki. Votre frère Benjamin. Donc, aussi longtemps que Benjamin a quitté, Siméon était toujours retenu en prison. Parce que Siméon, avant d'aller à Bozilla, habite liberté l'angawa, et ça lié par rapport à la venue de Benjamin. Amen. Je pense que toi, là aussi, va bien. Amen. Et puis, encore, vous remarquerez que Joseph, alors, va qui boye. Alors, bien, tu es beaucoup moins éliminant. Ce qui votre frère a été, ce qui était beaucoup fort. Pour dire que aucun d'eux ne pouvait s'attarder.
Yakobé était naïe à son baglé sans la présence de Benjamin et resté en vie. Parce que la mort pesait sur eux. Pour dire que seul Benjamin avait le pouvoir, Yahosani, Yakolongo la liwa, peut accomplir sa débomoye. Amen. C'est ce qui est écrit. Donc ce qui Benjamin y était, la mort était toujours là. Donc c'est Benjamin qui avait la capacité. Et puis tout le temps, il s'appelle que c'est Benjamin n'a pas pour le plus été doit accomplir ça. Il y a une qui a mission à Koya pour réconcilier Joseph avec ses frères. Amen. Parce qu'on ne peut pas parler de la réconciliation si Joseph n'est pas, pardon, si Benjamin n'est pas venu. Parce que Benjamin, alors ça, pour ça, il y a médiateur. Il y a pour réconcilier Joseph n'a pas. Mais avant que toutes ces choses aient salaman, tu vois, il y a pour tel isango. Et bon, Joseph a salamine. A joué sa coupe en argent. A tiamou na sa qui a Benjamin. Et puis, le qu'est l'écriture que Moutouyo a dragué na coupe ou en aïe argent. Oyo ya Joseph, il fallait que Asalini akoufa. Donc la personne qui avait la coupe, c'était la personne qui a payé le prix. Amen. En fait, que Banekoto, la colère ya Joseph qui pesait sur ses frères et sa hauteur. Amen. En fait aussi que tout le monde sur la réconciliation. Ce qui Joseph, ce qui Benjamin a payé le prix, on ne peut pas parler de la réconciliation. Amen. Je suis aussi aux Makamboy. Au ramenant mon avis, au ramenant mon parcours dans notre temps. Amen. Que si Benjamin n'est pas là, ce qui Benjamin a yagité, Bissot, tu pourrais dire que vous pouvez en devant Joseph. Amen. Ce qui Béret de Benjamin a yagité, on ne pouvait pas parler de la réconciliation. Amen. Ce qui Benjamin a yagité, tu aurais dit que vous pouvez en devant Yagoshet. Amen. Parce qu'avant que la porte Yagoshet ne fonde, il pourrait dire que Benjamin a yagité, a payé le prix. Amen. Parce que comment est-ce que quelqu'un... Nous allons d'abord cette question à l'ensemble. Lorsque Joseph a été Kamagi, est-ce que Benjamin était là? Non. Mais comment punir celui qui n'a jamais connu les péchés? Amen. Pourquoi Joseph a punir Benjamin? Oh, il est innocent. Amen. Amen. Mais il a punir même Judas. Il fallait même punir aussi même Lévi. Mais pourquoi seulement Benjamin? Innocent. Lui qui était innocent. Il m'a dit ma mère a déconné Esani. Et qui te l'a dit? Amen. Toi, il y a retali sa mort. Dans votre révélation, la coupe de Joseph. Parce que cette coupe avait la portion à vous deviner et puis la portion aussi à vous mêler. Amen. Cette coupe était des amas qui dans ma matière. Argent, tout le monde. Vous êtes sûr? Tout le monde. Bien sûr, les amas qui en argent. Uh-huh. Mais tu vois, après le souci, il y a un même l'écriture, peut-être qu'ils ont témoigné que la coupe est un amas qui est aussi dans la matière. Trop lobé l'amour. Tant que aussi ma Joseph, il est vrai que tout à l'heure, il s'est raqué Joseph, deux portions, Benoni, fils de ma droite, mais tout le souci à Rotalissa, cette portion, pardon, Benjamin, Benoni, les fils de ma douleur et les fils de ma droite, mais tout le Rotalissa, on a volé mon souci. Pourquoi couple d'années dans la portion mi balé? Mais tout ça, on a dépassé, tout ça, pesant des formes, tout squelette, il y a pensé du saut de l'ébi à Rotalissa. Parce que toi, tu as besoin de précéder. Amen. Je pense que toi, tu as reçu ma bien. Amen. Mais si ma madame, tu lui tout expliqué. Parce que toi, tu as dit que ces deux temps, tu pardon, les deux voyages, en réalité, ils ont combien de temps? Deux temps. Donc, si ma qui est le premier voyage, le temps où Joseph a commis bombama, a durement à ses frères, c'est le temps de la loi, les prophètes et les psaumes. Donc par là, comprenez directement que Joseph a dit qu'il y a matériel didactique. Que en réalité, Joseph, il y a solo, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Donc c'est moi que pendant tous les temps, il y a première alliance.
l'Éternel parlait durement. Amen. Et puis l'Éternel a dit qu'il s'est caché. Donc quand il parlait durement, il s'est caché aussi. Voilà pourquoi dans l'écriture que nous venons de lire, dans Mokanda, il y a des Deutéronome. On remarquait que le peuple avait les soucis. Il y a beaucoup de monde ensemble. Il y a beaucoup de yokaye. Pardon, il y a beaucoup de yokaye. Mais Nzambe a ici Moïse Boy. Alors que le peuple a combattu. À se sanctifier, bako yokanga. Yokanga bien et lokonga dans l'ingéna l'obaha. Mokolo yaboka Nzambe et Salimini et Koki. Le peuple va tout saigner pour n'akolo Nzambe. Bah yoga Nzambe l'olegeni. L'écriture dit il y avait des tonnerres, des tremblements de terre. La montagne Israël qui m'illinga. C'est-à-dire dans un autre langage, l'Éternel a appelé Bamonini durement. Est-ce que tu as aussi ma bien? Amen. T'as dit, mais non, 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 non. Tala. Nani déjà, kake betelaye, boyeye, a ouki kake. T'as dit foudre. Tala, kake, tu n'as pas exemple de moi tindi. Tala. Bayo qui va kake, bayo qui va. Parce que Nzambe a besoin de Bango. Parce que Bango a besoin de Bango. Donc pour dire que pendant tout le temps de la loi, l'Éternel parlait durement. Donc il parlait durement, pardon. Moutoumou Kota pour y avoir saisi le langage Yakolo. Aux hommes. Et puis si ma madame, que pendant tout ce temps-là, à cause de Yalissoumou, Kolo, il mettait aussi d'autres gens en prison. À cause de Yalissoumou. Toi, il y a un autre par rapport à Yassiméon qui était retenu en prison. Parce que le péché, ça veut dire qu'il y a un tel qu'à Joseph, et ça veut dire que Siméon a été retrouvé dans la carte de Yabolo. Amen. Il fallait que Benjamin aille pour les libérer. Amen. Parce que le service, il y a Benjamin, et il a quand même libéré ceux qui sont en prison. Amen. Est-ce que voilà aussi va bien? Amen. Frère, est-ce que vous commis des emplacements? Koloa Pambolaï. Amen. Et ça va bien ceux qui, aujourd'hui, le peuple est déjà à tout dépensé. En tout cas, état de sa maturité. Amen, Élise. Amen. C'est-à-dire, le peuple est déjà à mon que même dans ma famille, il y a Afrique. Au moment où il y a au niveau qu'on peut se faire, il y a déjà combien de gens après, il ne peut pas écrire. Et ça va bien. Donc, c'est moi que pendant tout le temps, on a un Yamoubeko. Mbiso tokoka ki yako pusa na pepene ya kolote. Parce que kolo daki na langage moko di. Donc, so ki to pusa ni to rosa nini, to nagi yako kufa. Est-ce que toi aussi va bien? Amen. Na pesi par rapport ya pensé ya nani. Mais on peut remarquer aussi que le peuple dit non, 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 de Moïse. C'est vrai que to daki na pusa yako kankolo. Mais le lenge to yoke li yoyo. Voilà pourquoi Namukana y a des tournants. Tant mon colo a dit que lorsque Namukolowana y a assemblé à l'Oreb, le peuple est voyé que Bitroyo a sous mon nom y a coloté. Mais Kassi n'a pas suscité parmi ses frères. Amen. Comme quoi? Comme toi. Vous voyez? Donc, prophète Mouk Mouk était à la cécité dans la carte de Bango. Donc les prophètes là, ils vont être à la rôle intermédiaire à répondre dans la question de le peuple. Amen. Est-ce que ton aussi va bien? Amen. Oh, ces prophètes en question, c'était qui? Jésus-Christ. Voilà pourquoi ces jours-là. Donc c'était Jésus. Voilà pourquoi ces jours-là. Bah, sur. Mais l'on est bien aimé, Bataille à Robaboy. Bah, nous avons trouvé celui de qui Moïse a parlé dans la loi. Amen. Pour dire qu'il cherchait cet homme. Parce que mon frère, ce qui a eu, il y a été à quoi présenter la colère de Joseph. Or, cet homme-là, c'était qui? C'était Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi même était Joseph de Managita. Pour bon monanga, pour bon yokanga, et bon guette de Jamaïa. Parce que ça va être un égard répétitif. La même chose où il a sali sur la montagne d'Oreb, c'est la même chose à ça aussi à répéter dans la famille de Jacob. Est-ce que nous mettons la possible manière? Amen. Donc, il faut que tout le monde soit suscité parce que Benjamin a dit que c'est la même chose aussi avec Christ. Nous avons suscité le prophète dans la carte.
Enfin, il y a quoi baiser de la colère. Parce que quand on a Nzambe, il y a un rougissement, il y a un lion. C'est-à-dire Nzambe a rougi. Mais pour que Nzambe au calme Nzambe, il y a un au calme Nzambe. Mais c'est un homme sage. Amen. Il y a un pour apaiser de mener sa colère. Dans la chose, Nzambe n'a pas eu sa colère. Azobe t'a vu sauter parce qu'il y a un homme sage. Amen. Parce qu'Azobe est intéressé de pour Nabiso. Amen. Ceux qui m'ont dit à quitter, nous avons un gars béto, ça dit quoi béti par mon. Amen. Mais grâce à Dieu, il y a un bâté qui est béto et puis à béta capité. Il faut aussi faire la part des choses. Parce que nous avons aussi à chaque tiaka, à oignon souillé à l'ingi. Amen. Je pense que tous vous comprenez les nuances. Amen. Parce que dans les choses de Dieu, vous comprenez les nuances. Si vous comprenez les nuances, en tout cas, on aime Okokende, peut-être dans l'Ibanda. Donc, il est fallu qu'il y ait un homme sage. Or, l'homme sage, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a apaisé la colère de Dieu. Or, les lobes sont en Akoyoka, il y a Nzambe, il y a Bopolo, il y a Kinya, et puis il y a Esengo. Amen, Élise. Amen. Mais remarquez encore ceci, parce qu'il y a tout à ici d'abord le langage. Il y a un colo, que Nzambe, il parlait durement. Il avait un langage difficile. Au moment de mon côté, tout est tout bien qui a saisi l'été. Mais à part aussi ça, ton petit point, il y a mis balai. Point, il y a mis balai, c'est quoi? Il s'est caché, non? Est-ce que tout le monde a vu ça, Elongo? Amen. Tout le monde a vu ça, Elongo. Je pense que tout le monde bien. Donc, si ma que Joseph a qui a l'obé la qui bande konaye durement, et puis à se cacha qui est pas y a bande konaye. C'est-à-dire à mi bomba maki. Donc, tout est si que Joseph, c'est Dieu. Parce que Nzambe n'a pas mou beko, à la qui Nzambe mokoyo, y a bande yakoubi bomba ma. Moto, amon et l'okina yete. Ils a écrit tout, puis tout le monde a écrit Isaïe chapitre 45. Ils ont dit que l'éternel est Nzambe, aux yakoubi bomba ma. Et puis Salomon aussi, dans le temps où on a eu à l'objet que Nzambe a l'ingé à fond dans la Katenini, il y a Moulili. Est-ce que toi, tu as considéré bien? Amen. Pour dire que Nzambe, dans le temps où il y a Moubé, comme tout mon côté, il y a Moulili. Tout le temps, il s'appelle Angajouana. Qu'on a Moulili. Aujourd'hui, mon tout, afin de Moulili, la seule manière pour nous à Moulili, et pour nous à Moulili, c'est qu'on pèle sa mouille. Donc, ceux qui m'ont dit pèle, donc on a. Mais pourquoi seulement Nzambe c'est mais pendant tout ce temps? Parce que le rôle de Mwinda, ils ont gagné à révéler ce qui est caché. Donc, si Maboui, Nzambe Oyo, Abanaki a commis Bombama pendant le temps de la loi, pour qu'il a se révélé, Abogaki a se révélé, il y a mon côté, et pour que Mwinda est plus là. Est-ce que toi aussi va bien? Amen. Donc, ce qui est le pélé, nous avons dit Luc chapitre 8, verset. Que dit l'Écriture? Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit. Mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Le verset 17. Alors, le verset sur la lampe. Le 17. Car, comprenez ce que il n'est rien de caché qui ne doit être. Découvert. Donc, d'après cette écriture, le rôle de Mwinda et Zosanini, ils ont révélé où ils ont accompli maman. Je pense que toi, tu as aussi bien. Nous avons dit que malin, mais pour être aussi mal. Or, le rôle de Mwinda, ah, on a besoin de toujours de la Mwinda physique. Donc, Simba, madame, que d'après la parole, Mwinda en réalité, Zakane, le fils. Je dis bien d'après la parole. Est-ce que le peuple doit aussi va bien? Amen. Retourne la question, mais comment est-ce que Mwinda et comment les fils? Nzambe, ou on est dans le langage de Nzambe? Nous, on se pose la question, et bien, tout n'a pas la parole.
Prenons le livre de 1 roi. Parce que pour la commune ensemble, il y a des moins de pela. Il y a des moins de pela devant sa présence. 1 roi chapitre 15. Or, tout à l'heure, ici, la lampe, c'est le fils. 1 roi chapitre 15. Et le livre, dans verset 4. Va-t-il lui son mot sur l'écran? Ok. Mais à cause de qui? À cause de David, l'Éternel son Dieu lui donna une lampe à Jérusalem. En établissant son fils. Son fils. Après. Il lui donna une lampe en établissant son fils. Donc d'après cette écriture, la lampe c'est qui? L'établissement du fils. C'est le fils. Amen. Est-ce que tu as reçu ma bien? Amen. Donc si ma par là, Nazar a reçu sur la malamouké, pour que Joseph a se révélé, il avait fallu une lampe. C'est-à-dire il avait fallu que son fils Benjamin aille en pour révéler. Amen. Parce que d'après les Écritures, tu peux savoir même la fois passée, je pense que tu me quoi moyen à raison que la mobile sous exacté que Joseph n'a Benjamin. Benjamin était le fils de Joseph. Ah. D'après cette écriture-là. Vous voyez? Par là, nous comprenons qu'en réalité, le monde a macamé, c'est qu'il a encore ombre. Donc, dans la réalité, au coquille, il y a un père. C'est-à-dire, un homme était, ce qui le fils a eu à vous révéler. C'est-à-dire, a eu à vous révéler. Voilà pourquoi Christ dit ceci: que personne ne connaît le père. Si ce n'est le fils, oui, bon, il y a eu à vous révéler. Amen! Est-ce que toi la reçois bien? Amen. Que le fils n'est pas là. Amen. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était venu, il n'est pas là pour révéler le Père qui était caché. Amen. Amen, Église. Amen. Et vous êtes tous à tourner, c'est parce que nous avons les fils. Amen. Dans cette Église, il y a les fils. Amen. Voilà pourquoi tout est révélé. Amen. Voilà. Et vous dites quoi? Et vous dites, vous souvenez que tous ces pélagas, que tous allez bien en colo parce que. Amen. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Amen. Mais à bon bien, quoi, cette sagesse n'est pas à sous, mais au moment où on a vu, dans l'église. Voilà pourquoi l'apôtre Paul ajoute encore que c'est dans l'église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Ce que l'église a besoin de sagesse, il y a solo. Dans l'église. Amen. Massa beauté. Ôté. Dans l'éternel, tout, na mangomba. Cette pensée est rappelée les kamoko. Parce que dans l'église, il y a un peu de temps. Massa. Ôté. Omoni. Même, mon tapeti li sapo. Nanzem bonaye. C'est-à-dire, oye, ayokaki. Parce que mon tour a répondu, ça va être Oye, Oye, Ayoki. Ode, papa, mon gros, Oye, a la guise qui n'a pas de train, train Zoya pour que il y a pour ravager Batou. Mais mon tour, papa, et Kangi train. Mais comment la baguette magique Nini, mon tour, Tala, Batou, ça n'a pas de train. Très les canards, mon tour, Nayou. Mais très beau soutien. Il y a un dingue dans la boleka, na mangomba. Il y a un moment dans Zambé. Et vous êtes à Yéba, ni Yéba dans la boleka. Amen. Vous êtes à Yéba, la part des choses. Son monité, l'été, on a. Il y a un peu de temps, il y a un peu Ganga, la mort est dans les pots. Amen. Il y a un peu de temps, parce que Okobika n'est pas la parole. Amen. Et là, on nous dit que le Bibi qui s'est dit, c'est que le matato, tout le monde en Zambé, car il y a un peu de temps. Il y a un homme qui n'est pas là. Voilà pourquoi tu es exhorté au bruit. Parce que nous croyons qu'en Christ, nous avons cette révélation-là.
Amen. Parce que Christ a qui n'est pas là pour révéler les pères. Et pour les pères qui nous parlons, il faut faire attention aujourd'hui. Et puis nous chuter des wana. Comme tout le monde a dit, Batou, Elobia, comme il y a bonjour, parce que nous croyons ceci. Avant le pensons dans le loba. Philippe a dit le baquet. Seigneur, montre-nous le Père. Mais il est sur azot la nani. Philippe a dit, mais Philippe, moi dans la nouvelle banaka, au tsala jamais. Il n'y aurait pas le Père. C'est lui qui m'a dit. Avec le Père. Ni nan yin nan loba. Non prétention, to na ou bisou tout le monde. Bato bazo doit figuer. Manko bazo tia, même dans l'église. Photo manko ya soi-disant, et le ya Yesu. Tout ce qui va personne à bien. Nous avons à Pekisa, ba image nyonso. Représentant. Tout représentation quelconque. Amen. Amen, Elisa. Amen. Voilà pourquoi, même dans nos maisons, ceux qui témoignent au tia et le mimoro, ceux qui y a entre guillemets, parce que il y a montré les acteurs et cinéma. Oufman, il m'a pas mis, mais j'en cible les gens. Batika, ah bien, non, Batika, n'a y est mais Batma Kamika a ôté Yesu. Donc, Batu signe, mais c'est comme si Nathan Moko et Biki pas comprenant la Benza Makamote. Moutou Yemo habite n'a y est souté, habite Yoga Yesu. Amen, Église. Amen. Ceux qui ont un nom et l'ont dit, voilà, l'ont mis là, tomba. Amen. Parce que l'apôtre Paul a dit, si nous l'avons connu, quant à la chair, mais maintenant, tu es bien souffert de la même manière. Ceux qui sont tous les gens qui sont les lobbies sont bien souffert. Est-ce que toi n'as aussi pas bien? Amen. Voilà pourquoi j'aime cette écriture. Il était avec eux, les disciples naïfs, mais sur les chemins de Maïs, Batamboula, Bazo Solola, Cléopas et son compagnon. Yesu pe chemin faisant pou a pas à côté. Babi, ah non, voilà, ils ont tué vraiment les messie Christ bazo sur là. Yesu pas côté pe nakati ya nime ya les sona bango. Ala bini dit ah mais yo fani na nime ils ont la carte ville mais oyebi makambo ils ont les gâté. Moto bango ba yebaki. Yo ka bien, moto ke batambola ki, c'est-à-dire que disciple. Mais bazo mon illuminé mais bazo be souté. Il n'y a pas de problème. Bon, tellement, il y a des gens qui sont habités. Il y a des gens qui sont dans mon village. Je ne suis pas dans mais remarquez, quand est-ce que il y a des gens qui ont les repas. Dans le cas où les pains, ils ont été rompus. Par la fraction de la paix. Peut-être que nous avons dit. Amen. Qu'est-ce qui s'arrête? Nous, aujourd'hui, tu es pas en colo. Par la fraction de la vie. Amen. Donc, lorsque la parole est dévoilée, amen. Interpréter la parole, c'est alors que toi, mon ami Jésus. Amen. La face de sa visibilité. Amen. Même Marie de Magdala, il y a un cas qui tout était à Ebaki Jésus, parce qu'il y a bien, oh, il y a bien la jardinette. Maître, ce qui y a, il y a un mot qui est là, mais dans mon nom, tant qu'il y a bien qui est Marie. David, oh, Rabouni, si tu es un colo à Bengayo, amen. 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 Vous êtes un peu aussi, peu malin. Amen. Rabouni, David, et Yesu. Voilà pourquoi les lobbies sont tous les colo, n'est pas mon nom. N'a pas la mine, n'a pas l'écriture, et puis n'a pas l'écriture, et tout le temps, n'a pas l'écriture, sous capé place. Yoka, qu'est-ce qu'il est, ni quoi, cette pensée? Tout le temps, n'a pas l'écriture. Tout le temps, n'a pas l'écriture. N'a pas l'écriture, mingi pesa. Jean 10. Je pense que tu dis que tu vois, madame. Jean 10, le verset 1er, Tinassé. Tu vois, dans le moment, tu as vu. En vérité, je vous l'ai dit. C'est lui qui entre par la porte dans la bergerie. Mais qui y monte par ailleurs, c'est un voleur et un brigand. Le verset 2. Mais c'est lui qui entre par la porte et les bergers des brebis. Ce que nous avons dans les versets 3. Nous avons mis les versets 3. Les portiers lui ouvrent et les brebis entendent de sa voix. Et c'est les brebis qui sont là, illuminés. Ah. Ils sont là, ils sont là.
entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont fait Songolo, Nani, Zambé, Père, et Bibi, aussi, Père, n'a pas comme on a vu son. Amen. Qu'ils appartiennent et il les conduit dehors. Le verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elle. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ah. Parce qu'aujourd'hui, comme on a dit, mon dimi, a comme il y a cause, place même au Yankolo. Amen. Amen. Mais ce qui est omitambusi okobunga. Les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Parce que la n'époque a dit mon nom. Le verset 5, tous ça, les lectures passent. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront de loin de lui. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Il y a un moment dans un bibongé, tu es aïe baké. Oh, il y a un moment étranger. Amen. Oh, il y a un moment de Yesu. Mais tant que vous avez un moment de discerner, vous avez un moment non, l'église n'y a pas d'église. L'église n'y a pas d'église. Amen. Il y a l'église véritable. Amen. Là où il y a l'enseignement des apôtres et des prophètes. Amen. Où Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire, et les églises des hommes. La tour de Babel. Amen. Bâti, va rejeter la pierre. Faisons-nous un nom. Or, le nom principal, va rejeter des pierres. Amen. Donc, dans ces églises-là, faisons-nous un nom. Il y a un moment que place Yamouté Iwana, et ça, du colo, même place Yayesu, ou Yébi, et Zobanate. Donc, Yesu a dit effacé, mais Mouté Inde Alanini, il y a côté les mains. Parce que la pensée Zali, faisons-nous un nom. Bango, nous, on va côté à que. Comme ces jours-là, na tour Babel, que tout ça là, tour est maintenant l'icolo. Na l'église nous sommes dans notre kendoa, na lola. Mais faut regarder, est-ce qu'il y a la pierre? Amen. Parce qu'il y a, faisons-nous un nom. Même dans cette ville de Japon, il y a aussi la tour de Babel. Basé à pour ériger, faisons-nous des noms. Nous sommes des tours de vérité. Quand il y a les quoi, tant ou toi et l'autre pour nous sommes tours de vérité, ça rend la parole. Amen. Dans la vraie église, dans la vraie église, c'est cette église. Amen. Amen, église. Amen. Ce qui, au lingué de haut comparé, parce que, faux dollar, ce qui est vrai dollar. Moi, dans un peu, dans la capacité, il y a quoi, mais il y a quoi discerner. Il y a quoi, bah, ils auront la pensée de quoi, mais la pensée des hommes. Est-ce que toi là aussi va bien? Amen. Là vous devez savoir, il y a quoi dans cette parole? Il y a quoi dans mon gongo? Parce que la voix, ils auront donné la parole. Tu vois, il y a quoi dans les sangos? Na babikolo, ils a, il y a quoi? Mais toujours chité na boye. Poto respecter ton abisso. Parce que ma personne abisso l'était à na 14h juste. Tu vois, 14h58. Poto chité na pensée pour lui. Moi, dans Zambé, nous sommes ceux qui ont été en train de se faire, tous ceux qui ont été combattu. Si je suis bien, tu es en train de se faire, voilà, on a fait la rencontre. Les bien-aimés gens ont été en train de se. Parce qu'aujourd'hui, tu es en train de suivre la pensée, premier point. Joseph, il a se révélé et pas de se faire. Il a le bain langage dur. Ou bah oui, il y a comprendre. Mais dans Nicolas, ils ont la couleur de Joseph, ou alors qu'il m'a pardon, Benjamin, ou alors qu'il m'a Simeon en prison. Mais Simba, il y a moins en Zambé, ou bien tout le monde qui est en Zambé, ce qui m'a cambo, écoute, il y a un Jean et le Bibolé. Tout le monde, je suis plus loin. Parce que sur les autres, il y a bien. Ok. Un Jean. Je pense qu'il y a un chapitre, un mot 3. Ok. Aujourd'hui, 1 Jean chapitre 2, pardon. Aujourd'hui, les versets 3. Aujourd'hui, 1 Jean chapitre 2. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Je pense que tu saisis bien. Tu es par un peu le haut, tu es 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 un peu le haut, tu
au garde ma commandement. Le verset suivant. C'est lui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements. C'est un qui? Menteur. C'est un menteur. Au tenga na yedin zambi, mais au bas de la kaba commandement na yete. Dans le kuta. Inumba olingi ya koti kate. Le kuta olingi ya koti kate. Bizali ya mabe l'hypocrisie. Olingi ya koti kate. Tu es un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Le verset 5. Mais c'est lui qui garde sa parole. Ok. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons quoi? En que nous sommes en lui. Le verset 6. C'est lui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme lui-même. Il a marché. Amen. Amen. Cette parole, Bondela est un homme qui a été fortifié, marche de l'eau, après ça, ma casse. Alors, on a dit qu'il y a des tombes, des autonomies, et bon, même il y a des échanges. Comme ce jour-là, Moïse a monaki, tant que tu as quitté Ngomba, la monaki est illuminée, banaki a parlé. Il y a un peu de monnaie dans Zela, il y a la parole, tu es un peu loin de l'Isabelle, l'Ominayo. Béni soit ton nom, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, parce que c'est toi qui t'es généré, qui t'es révélé. Amen. Et la Bible dit personne ne connaît le Père, ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils fait le révéler, c'est toi qui es venu nous révéler le Père qui était caché depuis les temps anciens. Et tu nous l'as révélé pour nous.